Ça s'est passé par un soir de pleine lune. Ma grand-mère m'avait pourtant bien effarouché rapport aux rêves prémonitoires. Mais le cauchemar que j'ai fait en cette veille du jour de l'an 1902 était bien trop dépareillé pour que je puisse m'imaginer un seul instant qui était annonciateur de ce qui s'en venait. Attachez bien votre tuque, parce que je m'en vais vous en raconter une rôdeuse. J'avais même pas 20 ans, puis c'était le premier hiver que je faisais chantier. Moi qui avais pas l'âme d'un bûcheron pour deux scènes. Je peux-tu vous dire que je me morfondais à mourir? Eh oui, c'était la veille du jour de l'an. Puis dans le camp, la morosité était à couper au couteau. On s'ennuyait toutes de nos amis, de nos blondes, de nos familles qui allaient fêter en grand à la Valtrie pendant que nous autres, on était perdus dans le bois. Loin. Loin de tout, ou presque. Le seul qui avait pas l'air trop triste, c'était le cook, Gaston. Méchant luron. Pendant que Baptiste, notre foreman, jouait aux cartes avec Anatole, Gaston, lui, il cuisinait des billes. Allez, gars, vous allez manger les meilleurs billes au monde! Oui, ça m'a toutes les semaines depuis des mois. L'affaire, c'est qu'on n'était plus capable de sentir ces maudites bines. D'une manière ou d'une autre, tu sais. Mais pendant qu'on pensait que le reste du monde nous avait oubliés, il y a quelqu'un qui s'intéressait à nous autres. Comme un prédateur s'intéresse à un animal blessé. Et puis c'est là que... Ébarlué, le trappeur nous a dit, « Ben voyons donc, qui peut bien frapper à la porte d'un trou perdu comme ici, un soir comme un soir? » On connaissait ça, frère. Mais là, c'était tellement glacial, c'était comme si la mort elle-même venait de rentrer dans le camp. Sauf qu'elle avait pris les apparences d'un bourgeois de la ville. Ben de qu'est-ce qui vous amène par ici, l'étranger? Je suis marchand, qui nous a dit. Et je suis ici par affaire. Marchand, mais qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à vendre, vous qui avez même pas de besace? Je suis sûrement pas dans l'erreur en pensant que vous aimeriez être réunis à vos proches ce soir de réveillon. Considérez-vous comme des privilégiés, messieurs. Voici ce que j'ai à vous offrir. Ce qu'il y avait à vendre prenait la forme d'un parchemin. Ça fait que tout de suite, Anatole a voulu en découvrir le contenu. Sauf que... Donne-moi ça! Bande d'innocents. Vous savez même pas lire. C'est vrai, on savait pas lire personne. Baptiste nous a donc lu ça à voix haute. Par voie de chasse-galerie, vous voyagerez dans les airs à plus de 50 lieues à l'heure. De l'aller au retour, soit avant l'aube, il vous sera interdit de jurer de succomber au charme des femmes ou d'abîmer votre canot sur le clocher d'une église. À défaut de quoi, vos âmes m'appartiendront pour l'éternité. Anatole avait tout compris. Mais ça veut dire que des satans! Le canot est dehors. Ne ratez pas votre chance, qui nous a dit, avant de partir en fumée. Qu'est-ce qu'on attend? Attends un peu. Si on part avec ton canot de galerie, je sais pas quoi, là, c'est qui va s'occuper de mes bines? Là, hey, vous trouvez pas ça dangereux, vous autres, là, de faire un pacte avec le diable? Baptiste semblait prêt à partir, mais pour les autres, je peux vous dire qu'on branlait dans le manche un brin. Passez-y, les gars, le vin, nos blondes, la teinte. Puis si on fait attention, là, demain matin, on est de retour. Puis là, ça s'est mis à criailler. C'est pas compliqué, on n'est qu'à passer au vote. Hey, ça, c'est une bonne idée. On va passer au vote. Ah oui, parce que le fait, hey, je t'avais dit ça. Hey, c'est ça, 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 c'est ça,
Baptiste venait d'asseoir son autorité de foreman. Il nous resta plus rien qu'à le suivre, même si le salut de nos armes était dans balance. Fait qu'on s'est emmitouflé, puis on est sorti dehors. Le canot était droit là, comme l'étranger l'avait dit. On n'avait jamais fait ça par ça. Fait que je pense que l'énervement avait gagné un peu tout le monde. Boris puis Gaston s'imagina même qu'il fallait pousser ça, cette affaire-là, pour que ça décolle. Et puis c'est là qu'on a compris que Baptiste en était sûrement pas à sa première ride. À Cabris, à Cabras, à Cabram, fais-nous voyager par-delà les montagnes. Le canot s'est mis à branler, et puis il a décollé comme un lièvre. On se faisait raider comme par une rivière au printemps, mais on se sentait léger comme une feuille. En moins de deux, on était déjà rendu à la rivière Gatineau, sauf qu'on ne l'avait jamais vu de cette manière-là. Baptiste, qui connaissait le coin comme le fond de sa poche, nous a fait rentrer dans les terres pour aller rejoindre la rivière des Outaouais. Sauf que là, on avait tout le portage en main. Après le spectacle des caribous, je pense que les gars avaient le cœur un peu grisé. C'est là que Gaston s'est mis à chanter. Là où ce qu'ils sont tous les Rathmans. Là où ce qu'ils sont tous les Rathmans. Bing sur la Rhin, bang sur la Rhin. Laissez passer les Rathmans. Bing sur la Rhin, bing bang. Alors qu'on s'en serait jamais douté, quelque chose s'est dressé sur notre route. Un pont de chemin de fer qu'on allait percuter de plein fouet. On a ramé comme des damnés. Et puis, on l'a évité de justesse. On a compris assez vite que cette aventure-là pouvait comporter certains dangers. Fait que Baptiste a fait monter le canot dans le ciel. Puis le reste de la raid a été bien tranquille. J'avais juste comme un drôle de sentiment, tu sais. Comme une goutte de sueur froide qui te coule dans le dos. Le canot a redescendu. Puis là, j'ai reconnu la route du Grand Rhin. On t'a rendu à deux pas de chez nous. Puis là, au loin, notre village. On avait réussi notre coup. Les gars ont caché le canot à la va-vite. Et puis Baptiste a donné ses consignes. Pas de jurons. Pas de batifolage, pas de boisson, puis rappelez-vous, nos armes sont en jeu. C'est sûr. Okay, mais nous autres, on avait surtout hâte d'aller fêter avec tout notre monde. Dehors, le bedeau paré puis le maire ont été bien surpris de nous voir retentir. Bonjour, monsieur le maire. Je vous félicite, les gars. Vous vous amusez, c'est le jour de l'air. Pas tout. On va vous compter ça demain, là. Bonsoir, là, on s'amuse. C'est le camion! Oh, ma belle Marion. J'aurais voulu y sauter d'un bras puis l'embrasser, mais quand t'es pas fiancé, c'est des affaires qui se font pas.
pense que notre arrivée venait de donner un nouveau souffle à veiller. Puis là, ça s'est mis à soigner, puis à danser. Puis je te dis que ça y allait par là. Qui n'ont pas mis de temps à oublier les consignes. Mais on avait tellement d'agréments que ça semblait juste d'adon. Parenté, on s'amusait tellement qu'on était en train d'oublier comment on avait retourné là. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose quelque part qui, lui, nous avait pas oublié. L'amusement avait pas lâché. Puis là, le bedeau paré menait la danse comme lui seul sait le faire. On n'avait jamais vu ça. C'était comme une vraie fièvre. Même les seuses qui n'avaient pas l'habitude de grouiller bien gros, ben, ils dansaient comme s'il y avait le diable au corps. Et puis là, la boisson s'est mise à couler à flot, puis on a arrêté de compter les heures. Rendu à la fin de la veillée, on avait oublié bien raide qu'on n'était pas à notre place, nous autres. Sauf qu'à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Puis en plus, il y avait une tempête dehors. Les autres bûcheux y étaient complètement beurrés. Anatole a eu toute la misère du monde à convaincre Baptiste qu'il fallait partir. Puis moi, ben... il a fallu que je dise adieu à Marion en me poussant comme un voleur. Rendu dehors, l'affaire regardait vraiment pas bien. Baptiste était saoul comme une botte. Puis mes deux autres beaux os, je pense que c'était pire encore.
Anatole s'est bien rendu compte que ça marchera jamais. Ça fait qu'il m'a dit, « Ah ouais, le jeune, ah ouais, en arrière, c'est toi qui vas guider le canot. » Et j'étais petit dans mes shorts. Puis je pense qu'Anatole n'était pas plus rassuré que moi. Mais il a quand même prononcé les paroles. « Acabris, Acabras, Acabram, fais-nous voyager par-delà les montagnes. » J'ai pas mis de temps à comprendre que ça allait pas être le même genre de ride. J'avais toute la misère du monde à manœuvrer, puis on se faisait brasser sans bon sens. En plus, on voyait quasiment rien, même à quelques pouces de notre face. Anatole a cru apercevoir quelque chose. Mais avant même qu'il ait pu distinguer quoi que ce soit, il était trop tard. On piquait droit sur un clocher d'église qui a écorché le canot sur presque toute sa longueur. Heureusement qu'il n'avait pas fait trop de dommages, parce que sinon, on était bon pour les enfers. Pour la suite, je pense bien que vous ne voudrez pas me croire. Mais une montagne s'est dressée dans le ciel, drette comme je suis là. J'ai bien cru qu'Anatole était pour me lâcher une coupe de sac. Puis moi, j'étais cloué bien raide. Jusqu'à ce qu'Anatole me crie, « Relève le canot! » Mais il était trop tard. On allait percuter, c'est sûr. Et puis le diable était pour agripper nos âmes. Jamais su comment j'ai fait pour m'accrocher là. Et puis Boris est apparu comme un revenant. Mais les réjouissances ont été de courte durée. J'ai finalement repris connaissance. J'avais tellement mal à la noix que je me suis dit, ça y est, je suis en enfer. Sauf que ça ressemblait bien plus au paradis. Mais finalement, c'était ni un ni l'autre. Fouillez-moi pourquoi, mais moi pis tous les gars, on s'en était sortis. On était tombés dans la neige à deux pas de notre cambuse. Bullseye, comme diraient les Anglais. Sauf qu'il y en a un dans cette histoire-là qui a dû rester sur sa faim pas à peu près. Je veux pas parler pour les autres, mais pour ma part, j'avais compris. Faut être bête à manger du foin pour risquer son salut éternel pour un peu d'agrément. Puis du reste de mon existence, il n'y a plus jamais été question de courir la chasse galerie.